Parce qu'on a introduit Berraino dans l'équipe, parce qu'il a voyagé, parce qu'il était fatigué. Pour le mieux, Frey et Koïta pour attaquer, menacer. Ils ont gagné 20-30 mètres, mais bon, à un moment, ça s'arrête là. Van Klemput, le contrôle difficile là, la remise dans l'axe, la frappe ! Et Descamps, qui se présente à vous, supporter Carolo, qui regardait ce match-là, qui se présente aussi aux supporters de Wasland. On a Van Klemput qui suit aussi son homme. Du coup, on dégage bien, en fait, du côté de Wasland. Ben oui, on a avancé pour défendre côté Carolo. On a libéré des espaces et le jeu long a permis, du coup, à Wasland d'aller se créer cette action-là et de marquer le but par Koïta. Ouverture du score. Nicky Ayed nous l'a dit, il voulait jouer les phases de transition. Ils sont passés par du jeu long. Descamps, qui a sorti un bel arrêt tout à l'heure, qui a vu un tir passer un petit peu loin du cadre, dans la même zone. Un petit peu de temps parce qu'il y a des choses très intéressantes à retenir de tout ça. Morioka, alors, son coup d'œil vers la droite, Fall qui s'effondre. Rien du tout, Monsieur Lambrecht a du boulot dans le VAR. Gilet à l'intervention, et là par contre, il prend du jaune, mais c'est Ilaïm Eritra qui prend le jaune. Est-ce qu'il change d'avis ? Il va annuler sa jaune et lui donner rouge. Ouais, il l'exclut. Il exclut Ilaïm Eritra et ça peut se comprendre. Et pour nous, neutre, c'est intéressant. Nicholson qui a le temps d'envoyer ce ballon vers le but. C'était passé. Et sauvetage de Skånbart. Pas la bonne idée. Le ballon passe en dessous. Mais Skånbart a directement le bon réflexe. C'est assez particulier. Là, il y a la révolte du bas de classement. Et donc d'autres équipes en situation plus délicate se retrouvent menacées. On pense à Saint-Tron et surtout à cette frappe de Koïta. Qui passe pas si loin que ça. Ça a du doublé. Pourtant, Dieu sait s'il y a du gabarit, mais là, Rezaï qui sait même pas y aller parce qu'un peu trop court ce coup franc-là. Et Frey, c'est pas mal joué pour Heyman. C'est Heyman qui a encore un décalage à faire. C'est très bien fait pour le 0-2. Ce match est terminé suite à ce doublé de Koïta. Le plan de Wasland a fonctionné. Jusqu'au bout. Ça, Wasland, ben, au vu du match, aussi parce que Wasland a très bien joué au foot dans ce match, avec les moyens des Waslandiens. Héros du jour, héros la semaine dernière. Belle semaine pour lui, enfin le week-end dernier, belle semaine pour Wasland Beveren, tout simplement, avec un nouveau succès.